Ancien sénateur Guy Philippe prend un complot. Si la population, fanatique Guy Philippe, pas veille en haut, pas veille en bas, il y a marré Guy Philippe, il y a voyé dans la prison pénitentiaire nationale. Notez ça me dit là. Et je vais aider à comprendre ce qui passe dans le dossier ça. Guy Philippe, nous tout connaît, il est dans la prison dans le pays États-Unis. Et ensuite, Guy Philippe, une libération. Quand il y a les envois dans le pays d'Haïti, pour qui ça ok bel? C'est ça, nous allons aider à comprendre, je vous là, dans l'émission spéciale ça. Une émission dédiée avec le dossier Guy Philippe là. Une émission, je fais là pour aider à comprendre ce qui a passé dans le dossier ancien sénateur Guy Philippe, qui retourne dans le pays d'Haïti, ailleurs, 30 novembre 2023. Nous tous connaissons ancien sénateur Guy Philippe, sénateur grand dans ce pays, Guy Philippe rentré en Haïti après qu'il vienne passer environ 6 années dans la prison fédérale aux États-Unis. En bas, accusation, blanchiment d'argent, trafic de drogue et latrier. Guy Philippe te joué une libération dans le mois de septembre qui s'est passé là. Nous pas oublier. Mais il était obligé de rester dans un centre carcéral. Parce que l'État dans le pays d'Haïti n'a pas de bail. L'ordre, le code de route pour te déporter le sénateur pour le retourner à la caille. Nous connaissons. Le gouvernement haïtien, il est à bon côté. Il faut qu'on baille autorisation, c'est la raison pour laquelle Guy Philippe pas retourner à Kaïli. Tant de pays. Guy Philippe, ancien officier de l'armée d'Haïti, ancien commissaire de la police nationale d'Haïti, qui occupé poste directeur de police dans le département nord avant pour te prendre réfugié dans Saint-Domingue. Les Brits ont couru qu'il ait fait partie d'un groupe monde cap comploté pour ka renverser régime Lavalas là. Nous connaissons force rebelle qui te gagne la tête li président Jean-Bertrand Aristide. Nous connaissons toute bataille qui fit tap mené contre Aristide dans des pays là. Nous veut nous comprendre ça m'a dit là. Guy Philippe te retourné dans pays d'Haïti pour te venir diriger soulèvement populaire l'armée ou bien soulèvement populaire armé qui était rivé chaviré président Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir li dans commencement année 2024 yo. Et li sénateur département grand de ça qui c'est Guy Philippe dans élection 2015-2016 Guy Philippe pas de temps présenté ses mains. Attendez oui. Il va te prêter sa main. Mais, pendant que Philippe t'a participé dans une émission dans Radio Scoop FM, dans Gary Pierre-Paul Charles, attendez, pendant que c'est dans l'émission comme ça, avec Gary, et attendez, la police débarque dans la radio, il prend que Philippe, il va la veille. Yo arrêté Guy Philippe, yon sénateur élu, yo arrêté dans émission Scoop FM. Et puis tout, yo t'est arrivé extradel menel aux États-Unis côté yo t'a pas jugé pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et la trier. Il fait 6 ans dans prison. Yo libéré Guy Philippe. Il est libéré. Et puis tout, yo veut le tourner. Mais ma songe, Gonzan, mi te dit comme ça. Guy Philippe a joué une libération avant l'élection pays d'Haïti. Guy Philippe a joué une libération non moment qu'a bon pour lui. Guy Philippe a retourné dans le pays d'Haïti non moment qu'a en favel. Attendez, oui. Et ça, vraiment vrai. Mais dans quel moment vous voyez Guy Philippe tourner? Vous voyez Guy Philippe tourner? DCBJ prend. Et Guy Philippe pas contre lui. Il est devenu Guy Philippe tourner avec plusieurs mon encore qui ont déporté. Avocat et partisan ancien sénateur Guy Philippe, il était rendu sous place.
Yo te devant aéroport international tout une vertu a. Al recevoir Guy Philippe. BCPJ t'attend Guy Philippe, yo prend Guy Philippe, yo à l'avel. Oh oh. Les autorités judiciaires yo t'ap rentré en dans DCPJ avec Guy Philippe. Pli avec plusieurs autres citoyens encore qui étaient dans vol là. Hey! Yo mandé libération Guy Philippe. Yo même jeune ni. Yo mandé libération en leader sans perdre temps. L'a passé mine a contrôlé et regardé dans nuit tombé Guy Philippe toujours dans DCPJ. Il va une libération là. Guy Philippe passe première nuit dans DCPJ. Au moun yo fâché, yo estomaqué, yo dit Guy Philippe, il va arriver Guy Philippe. Ancien chef rebelle là. Supposé une libération. Kou n'a gen pi moun ka pose question tout. Qui ça apparition Guy Philippe capable faire capable résoudre nos problèmes pays d'Haïti à traverser je ne jodi à là. Faut oublier Guy Philippe est parti à son petit non. Oui, est parti à son petit. Kounya là les DCPJ qui aime Guy Philippe pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Nta me connaît pour qui ça? DCPJ qui aime Guy Philippe. Oui. Nta me je réponse tout ça. Oh oui. M'tande yo qui Guy Philippe compte parce que yo te gon mandat dans année 2016 contre Guy Philippe. C'est un mandat d'arrêt. M'tande non Guy Philippe te cité dans affaire et on bail qui te gain là. Il te tiré c'est ah nous connais. On ba nous ba tout parce que ba là. Il là. Yo dit Guy Philippe te n'a tiré policier. Attendez oui. Kounya là, avant aller plus loin. M'a dit nous, ouais nek yon nan DCPJ yo. Yo son bon rester avec et tchoul blanc oui. Oui, et tchoul blanc. On t'a dit même un chien qui n'est l'armée américaine qui plus importance que agent DCPJ yo. Oh. C'est même DCPJ ça. Qui bail Guy Philippe certificat pour autoriser aller dans l'élection. Ligue pour le faire patron nous plaisir et ça me décadi parce que si nous bail autorisation pour aller dans l'élection c'est que Guy Philippe son nègre là qui propre que l'élection est faite. Kounya là les nous kembe Guy Philippe non mais nous pour faire qui ça. Oh. Gion zami qui dit comme ça. Dossier Guy Philippe là. Guy Philippe dans DCPJ. C'est un bail distraction qu'a fait là. Il mandé vers l'état dans affaire ressources naturelles frontières ak élection plutôt. Et puis dans mois ça gien causé sanction ak affaire Jovenel Moïse qui pral parler encore. Yon j'ai pour yon million j'ai. Attendez. Debon moun ka ou debon moun wè sa k'ap passé a. Geta gen yon million moun ki wèl tout parce que bilou l'a parlé. Tant que moi-même là depuis moi m'a parlé. Nan mandat, yo te mette derrière Guy Philippe là. Moi li sa nan mandat pour nous parce que son mandat d'arrêt. On mandat d'arrêt. M'a demandé mais qui j'ai fait journée jodi là pour arrêter Guy Philippe. Ça grave oui. L'aime dire son bon choul qui dans l'état parce menti. Oui. C'est un mandat moi que bon moi c'est mandat de comparution. Qui signé bon moi le signé bon il fait 10 août 2016. On garde pas qu'est-ce signé. Qui aime ce signe là moi signé AB. M'ba non le bien, m'ba non le bien. Bon garde bien. Moi c'est nommé c'est maître Benoît Noël juge instruction de la juridiction des CAI a dit sorti au CAI il mettait mandat ça
derrière Guy Philippe le 9 juin 2016, c'est ça moi dans date là. Et ensuite il dit commissaire du gouvernement des ressorts de ces ressorts en date du 9 juin 2016 mandon et ordonnant à Guy Philippe demeurant à Pestel inculpé attaque armée contre la police. Et ça moi là c'est écrit au petit. Et ensuite il m'a demandé pour comparer devant la justice hein, et dans l'hôtel justice là dans masse et amis rendez-vous mardi 16 août 2016 femme tout bien mal loin je demande ça écrit au petit. Kone ge bay ki ka plim a 10h30 nan matin a di son rendez-vous mardi 16 août 2016 a 10h30 yo te mande pou Guy Philippe vini la pou ka vini répondre quelques questions nan tribunal pa konnen si tribunal premier pa konnen ba sa écrit a bon c'est pou m di nou te gon mandat d'arrêt nan année 2016 koun ya la tout si te gon mandat d'arrêt pou Guy Philippe. Si vous avez un mandat d'arrêt pour Guy Philippe, qui je fais Guy Philippe jouer un mandat, nous avons dit un certificat pour aller dans l'élection dans l'année 2016. Mandat d'arrêt 2016, élection 2016. Qui est-ce qui bat Guy Philippe certificat avec empreinte de CPJ? Quand le mandat sorti, en nom de CPJ. Oui. Qu'on a là. Dame comprendre ce qui a passé là. Dame comprendre. Guy Philippe allait dans l'élection dans l'année 2016. Et puis, c'est même DCPJ ça qui accuse dans l'année 2023 comme criminel. Pour que ça DCPJ pas tout arrêté dans la date ça. Pendant l'élection. Vous voulez ou pas? Premier monde qui va voter pour Guy Philippe, c'est Guy Philippe encore qui a voté pour tête. Oui? Qui est-ce monde qui est descendu dans le CPJ pour t'aller des certificat avec un prêtre pour Guy Philippe? C'est Guy Philippe. Ah, c'est là on dit nous, next house bonne choule, son bonne reste avec qui oyé. On man chien manger à te pas dit merci. Ça pouvait clair. Pour son bonne pas utile. Qui j'en fait les Guy Philippe entrer là pour n'a mettre mandat ça, pour n'a mettre avec mandat au rien de mandat pour arrêter Guy Philippe. Nous prend Guy Philippe là, mais Guy Philippe qui passé premier nous en dans de CPJ. Est-ce qu'il y a un cas Guy Philippe? C'est question ça. Est-ce qu'il y a un cas Guy Philippe? Bon, on va nous informer. Nous avons un journaliste qui est devant les CPJ pour qu'on s'en dit. Oh oui, parce que Guy Philippe a passé pour minutes. Et nous avons un grand monde qui a mobilisé pour faire une manifestation pour Guy Philippe. Et Guy Philippe a annoncé qu'il a venu. Quitter l'argent pour lui, l'argent sénateur là. Et ne quitte faire complot pour te arrêter Guy Philippe. Mettez dossier sur Guy Philippe, Guy Philippe avant avec eux. Yo connait ça Guy Philippe pesé. Ouais d'ailleurs, nous est américain, il choisit un bon lait, un bon date pour voir Guy Philippe dans pays. Non, on l'est bon pour lui, on l'est qu'à tirer revanche. Hein, on l'est qu'à tirer revanche. Bon, allez, rendez-vous dans prochaine émission pour qu'on vente ton l'autre dossier Public Channel ça. C'est pour audition 69, on demande pour like lui, abonner. Pesez sous cloche notification, hein? Retirez sous personnalisé sous tout pour les narrons vidéo pour pas rater. Parce que lors de décentralisation guerrier, nous ouais et tout de suite nous venons jouer déconcentration. Parce que l'un des déconcentrations, je tiens à regarder tout a gagné au niveau Haïti, nous confisqué au niveau de la capitale Port-au-Prince. Même nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous toujours à poser des questions ça. Nous-mêmes comme qui gagne l'expérience, qui fait politique, qui fait. Et en plus de temps, la question collectivité, nous voyons comment la loi est tracée, comment pour payer à territoire, chaque département, nous avons supposé grand monde pour peut-être pas, service public, nous avons supposé base au seul côté, parce que d'après la constitution haïtienne, nous, que chaque département est autonome, nous avons des moyens pour développer tête, il faut au moins avoir tout service qui est à disposition. C'est dans ce sens-là,
nous pourrons vraiment délivrer le message ça par le PIA et tout le monde, tout le représentant qui est dans 10 départements PIA, nous brancher par rapport à l'activité ça, côté qui a pile préparation qui fait, côté tout secteur mobilisé, tout le représentant parti politique là. Donc, nous allons faire une marche qui va commencer à partir de la place publique au KLA. Nous avons vu une route, nous avons quoi quatre chemins, côté nous allons délivrer message sous l'idéologie nous, qui c'est choix de bataille, qui c'est décentralisation, nous avons un pile de messages que nous allons lancer, nous allons prôner que la Constitution dit et qui va jamais respecter. Dans ce sens, nous-mêmes dans la vie, nous sommes parti politique moderne, modèle qui vraiment qui parvient avec tradition, l'autre parti politique, et c'est celle nous comme parti politique qui vient avec une idée claire sur la question de décentralisation, malgré tout politicien qui a parlé, mais on n'a jamais rien question pays, question développement, comment ça nous fait. La loi tracée, il dit développement pays, il doit commencer à partir des sections communales pour y aller au niveau communal, au niveau département, jusqu'au niveau national. Donc, collectivité qui c'est un organe important dans le développement pays, ou à garder ceux qui méprisent, je veux dire, à nous garder guerrier, à nous garder Johnny, à travers toute discussion qu'a faite au niveau HTT, au niveau CARICOM, ne pas jamais faire appel à acteurs collectivité, alors que nous avons des structures qui sont bien organisées, nous avons FENAM qui est Fédération Nationale, des qui regroupent toute collectivité à travers pays, à travers chaque département, nous gagnons un président d'association qui coiffe toute collectivité. Je dis à même inviter ou pas inviter collectivité dans la discussion, dans la réflexion qu'a fait pour comment ou capable de retirer pays à l'intérieur, alors que tout territoire communal qui est capable de diriger, c'est magistrat, section communale, c'est casek, nous par exemple impliqués. Non, jouer une solution PIA, nous-mêmes nous décider pour nous prendre, pour nous bailler cette mission, pour nous défendre mission ça, pour que décentralisation l'Ivini, une réalité à travers PIA, pour tout organe que la loi prévoit pour nous capables de mettre en place, à savoir, à travers la Constitution qui parlait de conseil électoral permanent qui va jamais arriver fait du tout. Parce que c'est tout un conseil électoral provisoire qui est toujours à faire, alors que la Constitution n'a pas jamais parlé de conseil électoral provisoire. Nous disons un pays n'est pas capable de fonctionner selon le désir du monde. Donc, qui fait force au pays, c'est l'application des lois. Nous-mêmes, dans la vie, l'objectif par nous, c'est permettre nous-mêmes nous boumer. Là, nous faisons prendre pouvoir à travers 10 départements. Nous allons dans la chambre, nous avons une mission qui est différente des missions l'autre monde qui passait déjà. Au moins, pour nous capables d'annoncer le temps, le pays est capable. Magistrat Fritznel, chéri, qui groupe de monde qui est ce qu'on sait qui n'a parti politique ça lavé qui parti politique lavé il regroupé de tout secteur ouais surtout majorité membre parti a ou abgradesse des universitaires nous universitaires ont rejoint nous à idéologie majorité nous gagne des commissions qui gagne commission justice commission santé commission éducation nous gagne tout secteur parce que son équipe intellectuelle plus tout le monde qui est dans le secteur privé, économique, là autour, nous avons une organisation, nous avons une pile d'organisation qui rejoint nous par rapport à l'idéologie, tellement, nous sentons une sens. Et nous-mêmes, par rapport à l'expérience, nous avons dit ça sincèrement, laver, c'est une partie politique, parce que nous ne pas tant de bruit, nous, comme si nous-mêmes, nous faisons un travail de sensibilisation pour nous au moins retirer dans la tête paysan, parce que le plus souvent, l'élection peut arriver. Il y a des politiciens traditionnels qui ont utilisé 1000 gouttes pour acheter conscience de la population. Nous-mêmes, travail à faire, son travail, pour nous changer la mentalité, pour nous expliquer qui est le danger qui gagne là, pour nous prendre l'argent de mes candidats. Alors, bras, nous, ça quoi faire la guerre, on va vraiment saisir. Ça nous va faire mercredi 29 novembre, c'est tout le monde lavé qui contribue ensemble pour nous organiser une marche. Pacifique, c'est un match côté qu'elle a bien tout secteur, nous invitons tout secteur, même le secteur politique et tout, pour venir ensemble avec nous dans ce pays-là, il n'y a pas qu'à diriger en division, c'est pour nous mettre tout acteurs ensemble, pour au moins nous faire une synthèse, pour nous garder, qui ça qui est bon pour le pays. Je pense que je dis, il est incontournable, il faut que le pays a décentralisé, ça qui a privé par le pays, je dis, c'est parce que tout investissement pays-là, il fait n'importe quoi. Si au moins par exemple, je dis à là, où mon besoin de son passeport, ou déposer passeport au cas, il prend n'importe 6-7 mois pour retourner vivre mes pieds. Alors que qui sont besoin pour imprimer mon passeport sur machine
ou besoin ou imprimer ton machine ou besoin pour imprimer le passeport. Alors que en 95, 98, au cas était qu'on ait imprimé passeport, machine était un petit problème seulement. Donc là, les pages retournent jeudi aujourd'hui, pour gagner 10 départements pays, alors besoin de un passeport pour déposer dans le département, là l'imprimer porte-le, c'est ça qui crée tout embouteillage. Nous-mêmes, dans la vie, nous prenons décentralisation, qui c'est bataille, qui c'est cheval bataille, nous. D'accord. Pour au moins déconcentrer les services publics, pour toute population qui a accès à services, pour services qui sont plus près de nous, et c'est objectif ça, nous-mêmes, c'est l'objectif ça, nous parle, délivrer le message ça. Pour tout le monde qui vit dans le pays, il y a pour qui merci un peu. D'accord, mais merci un peu, magistrat Fritznel, chéri. Avant d'aller gagner, je profite de vous, mon nom s'il faut jalousie. Mon nom s'il faut jalousie, parce que la semaine passée, en Royaume, nous avons des côtés de Tony, ensemble avec vous, nous avons parlé, nous avons la ville Jacmel, côté que nous recevons, nous sommes vraiment contents. Je fais jalousie pour Jean, mon nom s'il vraiment, c'est fidèle. À Radio Caraïbe, mon ancien tout à coup est levé pour vous Radio Caraïbe, donc je vais faire un. Par contre, j'aime tant ni ou même ni Johnny parler de Sud, là, qui l'a au moins, n'a pas eu visite en Sud, parce que mon ancien tellement loué travail qu'il a fait à guerrier. Johnny, mes amis, je pense que le travail n'a pas fallu pas de bruit. Mais moi-même, laver, ça rien, mais au moins, nous l'avons pour la recevoir Johnny Ferdinand avec guerrier de sel, dans le Sud, au moins, pour au moins nous valoriser, nous. Parce que ce n'est pas le monde mourir pour valoriser, c'est les vivants. Parce que moi-même, nous sois ça, d'arrêter ou promettre nous, pour nous faire planification, pour nous recevoir cette affaire du Caraïbe là. Dans le Sud, pour nous honorer nous tous, parce que le travail dans le pays, c'est celle nous qui a fait, c'est celle du Caraïbe. Qui parlait, qui a couru la population, de tout le monde qui s'est payé à méchanceté dans le moment. J'ai en pile alliance pour le former parce que nous gagnons délégation qui a sorti partout dans le monde, là, au Canada, USA, Haïti. Le 1er décembre, nous gagnons pour nous, surtout, nous gagnons plusieurs mairesses qui a sorti en Haïti. Nous gagnons pour nous mener à visiter plusieurs mairies au Mexique et puis pour nous voir comment que nous avons renforcé des programme que yo gagné en partenariat avec d'autres mairies au Mexique dans municipalité côté que yo yé. Et qui importance selon vous une activité pareille? Premièrement, il y a une importance, c'est parce que forum non, c'est pas seulement un lieu de discussion que lié, mais une plateforme d'action côté que nous pourrons chiter ensemble pour nous élaborer des stratégies pour nous voir comment engagement que nous caprons à l'égard de problèmes qui ravagé famille. Et comment que yoka contribuer pour forger un avenir plus inclusif, égalitaire, et comment et toute organisation ça yo mérite ça yo yoka mettez tête yo ensemble pour yo renforcer ça yo le travail unité pour yo renforcer solidarité en faveur de égalité puis en faveur de l'autonomisation des femmes, comment tout yoka fait des partenariats et sur le plan éducatif, sanitaire, etc., ensemble avec et plusieurs institutions au mix. Et qui suivi après forum de Jousan? Après forum non suivi à c'est un partenariat que yo a gagné pour faire dans cadre quelques programmes que yo pral gagné pour implanter dans mairie yo. D'accord. D'accord, donc rendez-vous c'est 30 novembre et 1er décembre dans pays Mexique. Délégation yo commence à arriver déjà, non? Jodi a nous avons recevoir et nous avons commencé à recevoir délégation. Nous avons commencé jodi a ensemble avec demain si tu veux. Jodi a nous gagnons presque 10 et une délégation de 10 monde qui a sorti Haïti. Demain si tu veux, nous gagnons qui a sorti Haïti, USA et puis Canada. En plus, nous gagnons tout des représentants, par exemple, des maires, des mairesses, ici, au Mexique, tout nous gagne, nous avons recevoir, y a un seul côté pour nous voir comment que nous quatre fait travail là, ensemble. Et à bien, oui. Oui, c'est une femme, dit tout, c'est un événement cap hybride. OK, avec n'a gagné traduction simultanée parce que n'a gagné monde qui sorti plusieurs côtés qui parlait plusieurs langues.
l'emzo événement hybride, la présentiel en même temps, il y a des gens qui pas qu'à venir, mais ils ont qu'à participer de manière virtuelle. Voilà. Merci en pile. D'après le mando intervenant qui est à pied, parce que je n'ai pas de temps affiché Florezan. Donc, intervenant qui est à pied rapidement. OK. Parmi les intervenants que nous gagnons, nous avons gagné Dr. Aubry Paris. C'est lui-même qui est responsable question femme dans tout le monde là, dans US Department. Et nous avons gagné Dr. Lorena Castillo, lui-même qui est directrice institution femme et dans État Morelos du Mexique. Nous avons gagné Dr. Chochil, c'est lui-même qui est question éducation pour femmes indigènes dans Mexique. Nous gagnons Marie-Olène Scout, c'est lui-même qui est secrétaire FENAM, Fédération nationale des mères en Haïti. Et nous gagnons. Alors, c'est FENAFEM. FENAFEM, FENAFEM. Oui. Oui, FENAFEM. Oui, c'est une bataille. En plus, exactement, nous gagnons Tiara. Hello. Oui, allez. Ok, nous avons gagné Ciara Dodson. Ciara Dodson, c'est lui-même qui est vice-président de l'organisation, lycée professeur dans Ivy Tech College. Nous avons gagné Dr. Andrea Guadalupe, lui-même qui est fondatrice de l'organisation Femme Mexique. Et puis, il est un post-doctorant dans l'Institut national de santé publique du Mexique. Nous avons Dr. Ninette Sin Saavedra, lui-même qui est sous-directrice et partie technologie dans l'Institution Femme. Dans l'Institut national de santé publique du Mexique, nous gagnons Dr. Adriana de la Cruz, lui-même le responsable de la commission, le responsable partie prévention et éradication de violence contre la femme dans l'État Morelos. Nous gagnons en dernier lieu Charnel Frédéric, c'est lui-même qui est responsable partie leadership féminin dans la diaspora. D'accord. Eh bien, merci un pile, docteur Marif. Ok. D'habitude, les universités inaugurent, d'habitude, ils toujours à travail à notre élève par les. Mais je dimanche, ils toujours descendent la caille, viennent chercher manger. Pendant que ils viennent chercher manger, et puis, ils n'ont rien pour nous, et puis, ils ont tout qui s'appelle. On dit ça passé dans Delma 23 et oui, et Jalson Verilus c'est étudiant en troisième année sciences politiques et relations internationales dans INAGE, deuxième année sociologie dans sciences humaines et philosophie dans l'école normale supérieure. Et doit recevoir quelques camarades là puisque monsieur a des mouvements qui ont été envie fait pour capable exiger libération. Donc nous mêmes dans niveau familial et nous pas gain moyen pour payer ravisseur yo. Non, nous pas gain moyen donc gardou franchement parent il dit il y a cyclé travail la terre donc bah quoi valeur qu'on demande même toute famille de collecter ensemble, je n'ai pas besoin de m'arriver pour se dire ça dans la vie. Donc ça veut dire que la vie sort est déjà relief et famille. Hein? Oui, c'est ça, moi, donc la radio, je ne vais pas parler avec famille directement. C'est peut-être que je vais numéro de famille, je vais avoir un numéro de famille disponible. Donc c'est un collègue étudiant pareil, qui est disponible, donc c'est lui qui va parler avec. Ok. Et, D'accord, donc nous-mêmes n'a demandé, monsieur, on chance pour Jalson Verilus, c'est ça? Oui, n'a demandé, s'il vous plaît, faites ça pour nous parce que sans mieux, on va la consoler encore. Donc, je vais essayer pour spécialement maman et Vivaval, c'est toute la vie au final. Ok, d'accord. Nous sommes l'Artibonite, non? Oui, nous sommes Michel, mais nous l'école Bonaïve. D'accord. Donc ça veut dire que monsieur est rentré par Port-au-Prince, lui-même vient de l'école. C'est ça? Oui. Donc, depuis que nous quittons, maman nous toujours dit qu'il va y avoir un bien pour le bas. Nous, c'est que si c'est l'éducation qu'il y a bas, nous, c'est que les voyons nous l'école, juste un cas. Un cas, pour dire un changement dans la ville de l'eau. D'accord.
Eh bien, d'accord. Merci un peu, Odlin Verulus, qui lui-même t'a parlé dans nos familles pour demander à monsieur Ravisseur pour libérer, souple, Jalson Verulus, 24 années. Bandit, il a été kidnappé dimanche dans la zone Delma 23, lycée étudiant en troisième année sciences politiques à relations internationales dans l'INAGUE, deuxième année dans sociologie, sciences humaines et puis philosophie dans l'école normale supérieure. Donc, camarade Lio, qui eux-mêmes